Parce que le problème de cette équipe de France, souvent ce qu'on souligne, c'est qu'il n'y a pas de patron. C'est et... soviète, en fait. Mais et quand il n'y a pas de patron, figurez-vous que ça ne marche jamais. C'est drôle, hein, il faut toujours un patron quelque part. Donc c'est ça. Tout, il n'y aura pas de victoire. Après, par exemple, vous savez que l'équipe de France. Pessimiste, je sens qu'il alors, puisque vous êtes arrivé sur un débat idéologique et politique, vous savez que l'équipe de France est bonapartiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle n'a pas d'homme providentiel, ça ne marche pas. Alors on a longtemps parlé du manque de leader en bleu. Comment expliquer que cette équipe de France, elle se révèle avoir finalement plein de caractère? Ah oui, plein et beaucoup. Au final, on pourrait avoir 23 leaders. Et la coupe, elle est à qui?